Salut à tous, c'est Ariane Atom 147 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo totalement improvisée hein, donc voilà. Donc je fais cette vidéo pour me motiver parce qu'en fait lundi j'ai un stage de maths et je dois un peu revoir la matière avant le stage sinon je vais complètement être noyée. Et donc voilà, et je fais cette vidéo pour me motiver parce que j'ai pas du tout envie d'aller à ce stage de maths. Et en plus, normalement un stage c'est une semaine et puis c'est que le matin, c'est jusqu'à 1h de l'après-midi donc ça va encore. Normalement un stage c'est qu'une semaine, et là c'est 2 semaines les gars, 2 semaines vraiment pour me dégoûter de l'école quoi. Bon, et donc voilà, je fais cette vidéo pour me motiver. Et donc je vais vous présenter tous des sites Harry Potter que j'aime bien. Donc le premier site c'est Poudlard12, donc c'est un peu la même chose que Poudlard.org, donc, je sais pas si vous connaissez. Donc en gros c'est deux sites internet où c'est comme si on était à Poudlard, on peut participer à des cours, on peut aller dans la forêt interdite, enfin voilà, on peut faire plein de choses comme ça. Et la seule différence qu'il y a entre les deux, je dirais, c'est qu'à Poudlard 12, on peut vraiment avancer à son rythme. On dit qu'à Poudlard.org, il faut attendre chaque fois que des nouveaux cours se débloquent, enfin voilà. Mais sinon, c'est vraiment deux sites géniaux. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, moi, quand je suis sur ces sites, quand je participe à un cours et que je vois à la fin du cours qu'il y a un devoir, je suis hyper contente, je me dis oh trop bien, il y a un devoir et tout, c'est comme si j'étais à Poudlard, voilà, c'est trop bien, je vais faire ce devoir et tout. Alors qu'en fait dans la vraie vie, ça se passe pas vraiment comme ça. Alors, j'espère que pour demain il n'y a pas beaucoup de devoirs. Oh putain, j'ai plein de devoirs, non! Voilà, ça se passe vraiment, en fait ça se passe plutôt comme ça. Voilà, sinon il y a des autres sites Harry Potter que j'aime bien, donc le site s'appelle Encyclopédie Harry Potter, donc E-E-H-P. Donc c'est un peu comme Wiki Harry Potter, donc Wiki Harry Potter c'est comme un Wikipédia mais Harry Potter quoi. Donc voilà, revenons à l'Encyclopédie Harry Potter. Donc c'est une Encyclopédie Harry Potter comme le dit le nom. Et c'est vraiment génial parce que c'est super approfondi, on explique vraiment plein de choses. Et je trouve ça vraiment cool, donc si vous cherchez une information ou tout simplement parce que vous ennuyez, vous pouvez aller voir ce site, il est vraiment génial. Et sinon, il y a Pottermore, mais ça, je pense que tout le monde connaît. Et donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Salut !